Salut les petits potes! Bon, j'espère que le dernier épisode vous a plu. A priori, oui. Moi aussi, ça m'a plu, à vrai dire, sur l'entendre démarrer pour la première fois et l'entendre tourner pour la première fois. Ça fait quand même un petit quelque chose. Donc, si t'as bien observé, il y a certaines choses qui se sont rajoutées depuis la dernière fois parce que j'ai bossé un petit peu à côté, sans trop filmer, parce que comme ça, au moins, j'avais l'esprit libre. Et c'était pas des choses forcément intéressantes. C'est-à-dire de mettre les petites patouilles, les petites agrafes, plein de petites bricoles comme ça qui sont longues et pas forcément d'intérêt à être filmées. Donc je vais te résumer un petit peu ce que j'ai fait et je vais te dire ce qu'on va faire maintenant. Donc tu l'as vu déjà en premier, la bête pare-brise a été posée avec le moteur d'essuie-glace branché, la masse branchée, les bras d'essuie-glace et les balais d'essuie-glace. Tout a été repeint, remis à neuf. Comme d'habitude, j'ai changé les charnières de capot parce que les anciennes étaient à compas. Regarde, hop, comme ça, tu vois. Et en fait, d'origine sur la voiture, ce n'est pas ça. Ça avait été mis, on va dire, au démontage pour la cabine de peinture parce que les vieilles engrenages étaient cassées. Donc j'avais récupéré des compas, j'avais mis dessus pour pouvoir avoir le capot qui fonctionne pour la peinture et pour le transport aussi. Donc du coup, maintenant, c'est les vrais. Tu vois, à engrenage, c'est deux pignons dedans. Donc peut-être là-bas, peut-être que tu vas mieux voir. Regarde, là, on voit mieux. Spécifique à la GTI 84 phase 1. Comme, on va y venir justement, le relais tachymétrique qui est là-dedans. Le fameux relais qui m'a empêché de démarrer. Alors, grosse galère, hein, j'ai essayé d'en trouver un. T'en trouves d'occasion, mais tu ne sais même pas s'ils sont bons. J'essaie d'abord d'en trouver à D9. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas, tu trouves pour la version après, comme la mienne, comme ma grise, mais pas pour les 84. Donc en attendant d'en trouver un en bon état, que je sois sûr qu'il soit bon, si par hasard tu en as un, contacte-moi. J'achète, bien évidemment, mais faut qu'il soit bon, hein, faut que ça soit sûr. Donc j'ai chanté le relais, j'ai fait mon petit pontage en plus après contact pour alimenter tout le monde. Ça fonctionne. Comme ça au moins ça me permet de déplacer la voiture, la faire tourner. Je suis pas bloqué avec ça, tu vois? Donc du coup j'ai rechangé ma borne de batterie. Enfin j'ai changé ma borne de batterie. J'ai mis une borne automatique. Comme c'est pas une voiture qui va rouler tous les jours, au moins, hop. Tiens, ça s'est déclipsé. On mettra après. Tu remets ça, hop, c'est fini. Ça permet de toujours avoir de la batterie. J'ai refait du coup ma petite gaine thermo, tout ce qui va bien. J'ai changé mes tuyaux de lave-glace intégralement. J'ai passé le grand tuyau pour l'arrière là. Enfin, je l'ai passé. Il est dans l'habitacle. J'ai plus qu'à le passer. C'est le fameux du début où j'ai oublié de le passer. Si tu remontes une 205 GTI, passe en priorité le tuyau de lave-glace. N'oublie pas. J'ai fini le montage des bimettes. Tu vois, la boîte à air est bien fixée. J'ai serré tous mes raccords de tuyau de frein qui n'étaient pas trop serrés. J'ai mis les tuyaux de lave-glace ici aussi. Hop. L'isolant capot. J'ai raccourci ma durite d'essence pour que ça passe bien. Je l'ai agrafé comme elle doit être agrafée avec la petite patouille qui va bien. Il y a beaucoup de qui va bien. La petite patouille aussi qui va bien là. Le petit autocollant du débimètre. Des petits détails, mais tu vois, faut pas les oublier. J'ai encore celui-là à poser, mais il est un petit peu difficile à retirer. Donc il y a 5 minutes à jouer avec ça. Je le ferai. T'inquiète pas. Tu vois, pareil là aussi, ça a trouvé son bon emplacement parce que j'avais un doute sur sa position. Je l'avais mis là au début, mais non, en fait, ça gênait. Donc il vient bien là. Ça c'est bon, c'est trouvé, c'est fixé. J'ai mis mes supports phares. J'ai repassé mon câble de masse. La boîte, elle est fermée. La petite tôle de protection pour la résistance. Et puis voilà, cache bobine. Tout est terminé là. J'ai tout fini dans le compartiment moteur en partie arrière. Ça du coup, il va falloir que j'attaque la partie de devant. Avant. Après. Bon, on va essayer de se poser ça tranquillement. Sans tout esquinter. Voilà, petit ventilo radiateur posé. Je t'avais pas dit, j'avais posé aussi les klaxons tout neufs. Aigu et grave. J'avais oublié d'ouvrir ma petite purge. C'est chose faite. Maintenant, on remplit. A priori, ça me coule pas sur les chaussettes. Ça a l'air d'aller.
Ça coule par la purge, c'est bon. C'est bon, ça coule. Wow! Belle giclée. Bon, tout le circuit est en eau, enfin en liquide de refroidissement. Tu vois ce que je te disais, faut toujours essuyer. Après, tu peux croire qu'il y a une fuite. Pompe à eau, durite, radiateur. A priori, tout est bien étanche. Je vais pouvoir la démarrer et voir si elle veut bien ventiler. Lui faire sa première chauffe. Est-ce qu'elle démarre toujours aussi bien? Ça y est, ça ventile! Ça ventile! Ça ventile! Ça ventile! Ça ventile! Bon, lui il tourne, c'est bon. Quand même regarder si ça charge. Que j'ai pas regardé. 13,8, c'est parfait. Voilà, il ne reste plus maintenant à ce que ça freine. À part je purge les freins. Je vais remonter un petit peu ma face avant aussi. Tout à l'heure, lui, il commençait un petit peu à fumer, à surveiller. Peut-être parce qu'il y avait du gras dessus. Bon, toute ma petite face avant, c'est fini. J'ai mis toutes mes vis, j'ai réglé ma gâche. Tu vois, tout, truc tout bête, hein. Tu baisses le capot, tu te mets là, tu desserres tes deux vis, le capot il fait ch'tunk, il se met bien dans le cône, tu resserres, c'est fini. Et puis, bah, régler mes petites butées, voilà, les jeux sont bien. Je vais pouvoir attaquer le remontage de la face avant, le pare-choc avec les phares, la calandre, ça va être sympa ça. Tu crois ça? J'ai réparé celui-là. Celui-là, il déconne. Ce qui est bien avec ces dalles de sol, c'est que tu peux tout poser par terre. C'est comme si tu mettais sur un carton. Vu que c'est du plastique, ça esquinte pas du tout. Ah ouais, j'ai tout mon petit kit. Je vais me remonter tout ça, même avec le petit logo neuf. Mon petit assemblage est fait. Là, je vais m'attaquer aux longues portées. Ce n'est pas des anti-brouillards, c'est des longues portées. Ça marche avec les pleins phares. Beaucoup font l'erreur. Donc là, j'ai mes cadres qui sont tout neufs, les globes et les verts. Globe jaune, vert jaune. 184. Et tu vois, ceux-là, c'était pas les bons. C'était fond jaune avec vert blanc. Donc, j'ai récupéré le fond et je vais me rassembler tout ça. Là, ça fait quand même plaisir. Avec ces petites longues portées toutes neuves. Je suis en train de me faire toutes les petites fixations là, mais tu vois, je mets 8 kg de graisse. Là, j'hésite vraiment pas. Parce que c'est le genre de chose qui est tout le temps grippé. Et que tu veux démonter, tu te dis, oh, ça fait pas longtemps, c'est bon. Et paf, le truc qui tourne, t'as un pare-choc et une vis à changer. Donc là, j'hésite pas, je mets la dose. Ça y est, elle est fixée définitivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais graisser toutes les vis, mais bien gaiement, tu vois. À la graisse à chaîne moto, comme d'hab. Bonne tartine là. Là-dedans aussi. L'avantage de la graisse à chaîne moto, c'est que ça colle, donc ça coule pas trop. C'est pas mal. Voilà. C'est le truc bête, hein. Mais quand je refais une voiture,
Le truc que j'attends, vraiment, c'est de pouvoir lui donner un regard. Et là, franchement, cette étape-là, je suis content de la faire. Vraiment. Le petit phare. C'est beau des phares neufs, quand même. Tadam ! Eh, je t'ai gardé la surprise. Je t'ai pas montré l'étape de la calandée des phares. Mais quand même. On serait pas en présence d'une 205 GTI, là ? Il manque 2-3 extensions, mais je vais m'occuper de ça. Et je pense que là, commence à ressembler vraiment à une 205 GTI. Hein. Je t'ai même fermé le capot, pour que ça fasse plus joli. Bon là, je vais reposer les roues, je vais l'avancer, remettre les roues, reposer la voiture, l'avancer, pour finir mon serrage des tuyaux de frein arrière, afin de purger les freins, pour que je puisse retrouver, enfin même trouver du freinage. Je vais pouvoir faire ma purge de frein. Ça va dessus. Vu que tout le circuit est vide, je vais lui mettre 1 litre, je pense. Je crois que la contenance totale, c'est 1 demi-litre. Quasiment 1 demi-litre. Mais voilà, je préfère mettre 1 litre. On sait jamais. J'ai pas envie de tomber en panne pendant une purge. Et tout devoir recommencer. Première purge. Eh, ça coule, hein? Ça coule déjà. C'est bon. C'est bien dur. Elle est neuve sortie de grange. Il me reste plus qu'un truc à faire, j'ai oublié. J'avais oublié d'essayer la voiture, dis donc. Voilà. Regarde. Ça roule. Ça roule plutôt pas mal. Les vitesses passent bien. Cinquième, il y a Chloé qui est à côté de moi. Dis bonjour. Voilà. Elle se fait son premier tour dans la 205 GTI aussi. Bon, c'est pas fini, hein. Il y a encore des choses à revoir. Tu vois, j'ai la boîte à fusibles sur les pieds. Mais c'est son premier roulage. J'ai déjà fait 5 bornes. On va rentrer, on va aller voir s'il y a des fuites. Normalement, oui, parce que c'est toujours comme ça les premières sorties. Ford, resserrer les durites, resserrer un peu les boulons. Ah, ça sent bon, hein. On va régler tout. Voilà, effectivement, c'est pas le bon de fumer. Donc là, freine que sur 3 roues, c'est la première purge, la freine 3. D'accord. Au moins roule. Voilà. Je suis sûr, elle sent le perso de le neuf là, ça fait trop bizarre. C'est la classe, hein. Ça m'a rappelé quand j'avais 20 ans. Ouais, moi aussi. Bon, désolé, il y a du vent, mais je vous fais un petit plan extérieur quand même. Pour une fois qu'on la voit pas dans le garage. Ouais, je sais, je roule sans plaque, mais je suis au bout de la rue, c'est pas grave. Une vraie sortie de grange. Elle est neuve sortie de grange, tu vois, avec la poussière. Oh, ça fait plaisir de la voir à la lumière du jour quand même. Là, je te mets dans le tour. Hop là. C'est bien elle, hein. Il n'y a pas de triche, c'en est pas une autre. Alors, hop. Elle est neuve. Oui, je sais, faut que je retire le Peugeot aussi. Voilà. Manque le rétro à droite à mettre ou ne pas mettre. Ça dépend, c'est une option. Tu vois, hop, une petite fuite de liquide de refroidissement. C'est la durite derrière qui va au boîtier d'eau. C'est pas méchant. Mais sinon ça tourne, hein. Bon allez, je retourne au chaud parce qu'il y a quand même pas mal de vent et il fait pas chaud. Et ça fait quand même du bien de sortir de l'atelier et de rouler avec, hein. Ah, je te jure. Regarde, j'ai le sourire. Wow. Bon allez, les petits potes, à la semaine prochaine. Au revoir.